Salut tout le monde, ici Jake pour Eva Sound Studio. Retour sur Pokémon Snap, on l'a commencé hier. Et on va se balader dans la jungle apparemment aujourd'hui, donc on va voir comment ça se passe. J'ai trouvé un défaut du jeu, entre-temps un seul. C'est en préparant le stream tout à l'heure. Vous le voyez à l'écran, vous l'entendez sûrement, enfin, ou du moins vous ne l'entendez pas. Il n'y a aucune musique sur l'écran d'accueil du jeu. Aucune musique! What? Bref, voilà, je trouve ça révoltant. Allez, direction la photographière. Est-ce que vous entendez? Ouais, ça a l'air d'aller bien. Alors, on va explorer la jungle. L'émission qu'il fallait faire. On va les mettre de côté pour le moment. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. On jette un œil à Instagram. Ouais, pas ouf. Ouais, beaucoup trop de filtres hein, dans ces choses-là. Beaucoup trop de filtres. Jetons un œil à notre Instagram Pokémon à nous. C'est quoi? C'est coin personnel? Non, c'est mode en ligne. Mode en ligne. Classement qui a changé, forcément. Photo populaire. Oh, celle-là, elle est chouette. Ouais. 25 000 pommes. Ah ouais, en effet, ouais. 25 368 médailles pommes. Ah, mais cette personne-là, c'est une personne qui stream. C'est une personne française, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Mais c'est censé être par région, donc. Ouais. Et là, c'est Snapchat, hein, forcément. Photo des trucs. Ah, sans filtre. Elle est jolie celle-là. Avec l'angle, la lumière et l'ombre, on dirait des graphismes à la Link's Awakening version Switch. Celle-là aussi, elle est bien. Combien? 10. Oh. Si la couronne de fleurs du Pichu a été rajoutée ou pas. C'est une bonne question, ça, dis donc. Recommandé pour vous. Ah, celle-là, elle est bien. Vous entendez la musique? Moi, j'entends quasi rien. Je vais monter le son de ma télé, je reviens. Voilà. Je me réinstalle. J'ai un peu de son moi aussi quand même. C'est jamais. Oh, un scarabrut avec. C'est quoi? C'est le truc avant scarabrut? Je vois pas trop ce que c'est. Mais c'est au parc Athos ça. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres trucs à découvrir au parc Athos. Va falloir retourner au parc Athos. Mais aujourd'hui c'est la jungle la priorité. Ah ben, Nymphalie et un Flambino. Ok. Ça fait. Elle est vraiment chouette cette photo là. Elle est vraiment sympa. Ouais. Tac. Tac. Photo des joueurs, c'est fait. Profil. Mon profil. Il y a quoi sur moi déjà? J'ai 195 médailles pommes. Dont 52 sur Magikarp. Celle-là, il n'y en a pas. Celle-là non plus. Celle-là, elle est vraiment drôle. Ça, je l'aime bien, elle est drôle. 76 sur celle-là. 66 sur celle-là. Eh ben. Ah, c'est vrai que j'ai pas changé ça. Bon, je vais pas m'embêter. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui faisaient de même. On va faire pareil. Hein. Mettons le Twitch, si ça, jamais ils peuvent tomber dessus. Sous slash sur ça. Eva Sound ND. Voilà. Twitch.tv/Eva Sound. Si vous connaissez pas le lien par cœur,
Il y a un souci, il est affiché là, et en plus il est affiché dans votre barre d'adresse navigateur. Allez, on va repartir en l'aventure. Attendez, pourquoi dans le phototexte il dit qu'il y a des notifs? On n'avait pas tout clean hier? Bah, il restait juste un flambino quoi. Et collection, c'est la fleur, je crois. Fleur de Christa. Cette fleur de Christa pousse à Anthos. C'est elle que tu peux voir sur le logo de notre laboratoire. Même si on sait maintenant pourquoi cette fleur brille, elle recèle encore plein de mystères. Je sais pas si Christa sent le... C'est une faute ou pas? Parce que ça fait très cristal. Il n'y a pas le L. Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas. Et la carte, c'est juste l'emplacement des Pokémon. Une dernière chose que je voulais partager avec vous dans les réflexions entre deux streams. Au parc Anthos de nuit, on a vu qu'il y avait deux parcours, notamment au niveau des barrages des Kunotor. En fait, je crois que c'est en rapport avec les niveaux d'exploration, quelque chose comme ça, des parcours. C'est comme ça qu'on accède soit à l'un, soit à l'autre. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, j'ai un doute encore. Mais c'est ça. Et sans vouloir dire de bêtises, alors peut-être que je me trompe, va falloir me corriger. Mais dans Pokémon Snap version Nintendo 64, je crois qu'on pouvait choisir à des moments des chemins directement quand on était dans le parcours. Je crois, je suis pas sûr. Mais j'ai un souvenir comme ça, j'espère que c'est pas un faux souvenir. Donc je me dis pourquoi ça serait pas la même chose là, mais bon en fait, ça a pas l'air d'être le cas. Bref, direction la jungle Grand Arbre. Une jungle luxuriante où flotte le parfum sucré des fruits. Et comme on aime bien le dire ici, pensez à manger des fruits et des légumes. Pour les vitamines, pour tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas de mission. Ah, c'est par... Ah, c'est intéressant ça, le Lantis Connect qui nous met des photos, je pense, en rapport avec la jungle. Ah, voilà, donc c'est en rapport avec la zone. Ok, allez, direction la jungle. Wow, ouais, en effet, ça change. C'est plus moussu. Alors, on commence là-dedans. Croquine. Te voici à Calais. Quelle jungle épaisse. Donc, on est sur l'île de Calais. Ouvre bien les yeux pour ne manquer aucun Pokémon. Je vais peut-être réaugmenter encore la sensibilité du truc. Si ça va compter. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Une toile de Pokémon. Wow! Bonjour. Voilà. Bon, celui-là, je l'ai raté complètement, hein. On l'a tous vu. Oh, elles sont jolies les fleurs. Ah, fleur de Christa. Ah, mais c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Qu'est-ce que c'est? Oh non, un Arbok. Oh, qu'est-ce que j'aime pas ces choses-là. Capuma. Tourne-toi, monsieur Capuma. Ok. Du coup, je m'y
Cry, mais je... Ouais, si. Qu'est-ce que... Oh non, c'est quoi? Il y a... C'est quoi ça? C'est ça? Marest. Je vois pas ce que c'est ça. Des fruits sont tombés, bon bref. On reverra la description après. Oh, on est sur la branche maintenant. Oh mon dieu. Il y a un chrysacier là, on l'a vu. Bon, attendez. Ruine antique. Ah, il y aura peut-être un autre passage par le bas alors. Est-ce qu'on peut avoir chrysacier, s'il vous plaît? Ah, oh, j'ai pas pu le prendre bien en photo. On va remonter. Qu'est-ce que c'est, un Pokémon ça? Léopardus. Apparemment, oui. Wow, Magikarp. Oh, beau. On dirait un chat, quoi. Ah, ça va être difficile de choisir. Il me reste que 16 photos à prendre. Et franchement, cette zone, elle est super belle. Hein. Magnifique. Enfin, on arrive vers la fin, je crois. J'ai pas son visage. On va attendre. Il est pas à tourner encore. Difficile à prendre celui-là en photo. Hein. Plus que 9 photos. Oh, il y a un truc là. Peut-être que... Oh oui, ça va être un passage, ça. Sans hésiter. Peut-être de nuit. Peut-être de nuit. Fin du parcours. Je vais remonter le son de la télé parce que j'entends pas grand chose. Et... Non, pour vous, ça a l'air d'être bon pourtant. Bon, attendez. Ou alors c'est moi qui suis sourd peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai pris 63 photos. Eh ben, ça va faire du travail pour le tri des photos. Hein. Alors, croquine. Ah. On va commencer par le 2 étoiles. Cap humain. Il n'y a que du... Ah non, il y a pareil, il y a du 2 étoiles là. On va commencer par celui-là. Picasso. Il y a du 2 et du 3 étoiles. Celle-là, elle est plus cadrée. Léopardus. On a du 1 et du 2 étoiles. Donc 1. Ah, il est magnifique. Magnifique ce Pokémon. Là, il fait dodo. Et en 2 étoiles, il n'y a que celle-là. Bon, on va mettre la 2 étoiles. Hein, écoutez. Charmillon. Alors Charmillon, lui, il s'est pas embêté. Il vient, je te prends en gros plan là. On a du 1, 2 et 3 étoiles. Donc 2 étoiles, on a ça. 3 étoiles, elles sont hyper mal cadrées. Une étoile. Il n'y en a qu'une à 2 étoiles. Donc on va prendre celle-là. Et on reviendra sur ces deux-là plus tard. Mona Flemit. Bah, je l'ai raté complètement, lui. Magikarp, il n'y en a qu'une ou deux. Celle-là. Arbok, mon dieu, quelle horreur. Là, on le voit pas vraiment. On va prendre celle-là, même si j'aime pas du tout cette photo. J'aime pas ce Pokémon tout court, en fait. On a du 1 et 2 étoiles.
Oh, mais elle est bien celle-là, là. Il n'y en a qu'une en 2 étoiles. Bah, celle-là, elle est chouette. Bon, bah, on va prendre celle-là, écoute, on verra bien. Crise acier, mais malheureusement, on le voit pas. Je l'ai raté de peu, quoi. Fleur de cristal. Il n'y a aucune donnée. Dans la toile d'araignée. Allez, direction le professeur. Croquine. Cap humain. Joli score. Picasso. ...4051. Léopardus. 3973. Hey, franchement, ce Pokémon, il est magnifique. Hein. Je le connaissais pas. Vraiment pas. Charmillon. Ah, Charmillon... 3000... Ah, quand même, hein, bon score. Mona Flemmite. Ah, petit score, mais c'est normal. On va regarder l'ancien Magikarp, Arbok. Et ma reste. Ça fait combien au total? Je tire un peu plus de 20 000, 25 000. 30 000. Pas mal. D'accord. Que penses-tu de mettre en ligne? Bah, c'est vrai, ouais. Tu publieras automatiquement mes préférés sur ton profil en ligne. Ah. Non, non, vas-y, fais-le. Est-ce qu'on rentre à la base? On va rentrer à la base parce que peut-être qu'il va nous dire des choses maintenant qu'on a fait une fois la jungle. On va voir. Bah tiens, des missions justement. Un flash pour un splash. Tu as déjà vu un marais plonger dans le lac, tu devrais essayer de prendre cette scène en photo. C'est un bon exercice pour savoir photographier au bon moment. Bah oui, bah on va le faire. Hein. J'ai vu à peu près ça dans le parcours juste avant, donc on va jeter un oeil en effet. En effet. Il me dit rien. Bah, direction explorer alors. On fera du clean plus tard. Une jungle luxuriante qui abrite une cascade et un arbre aussi vieux que gigantesque. Il est possible d'apercevoir des Pokémon entre les branches enchevêtrées des arbres. Ok. J'essaie de repérer le grand arbre, mais je le vois pas. Pas, ou alors je suis aveugle. Ah si, peut-être là. Ah bon, on le voit pas. C'est pas grave. Nous verrons bien. Raté. Ah, il y en avait un vol. C'est après. On les a déjà, donc c'est pas pertinent. Casso.
Raté. J'ai pas pu la voir comme je voulais. Oh, il y a un trop gros plan là. Bon, on va dire que c'est bon. Ah, il y a du peuple là. Ah, je pense que le troupeau, la meute, je sais pas comment on appelle les groupes d'oiseaux, je me souviens plus, ça porte un nom. Je pense que c'est une photo spécifique. Là, il y a le Harbok sur la droite. Là, il y a la fleur. Qu'est-ce que... Ok. Photobombe. Et Harbok, vite, je l'ai toujours pas. Ah, j'aime pas ce Pokémon. Ah, il y a un truc là. Il y a une grotte là-bas, là. Enfin, en tout cas, il y a des choses bizarres là-bas. Il y a des choses bizarres. Ah! C'est ça que... C'est ces fruits-là, je crois, qui parlaient tout à l'heure, le radar. Alors, normalement, il y a un cri... Oh mon dieu, il est beau! Il y a Chrysacier, il est par là. Je l'ai raté, je crois que j'ai raté le Chrysacier. Ah, il y a encore des choses là. Chrysacier, où es-tu? Ah, je l'ai complètement raté. Il est en dessous là. Il est complètement en dessous. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Voilà, celle-là elle est parfaite. Alors eux, faut se concentrer sur eux là. Il y a le Magikarp aussi au passage. Allez, vas-y. Là, l'objectif c'est de te voir plonger. Te voir plonger. Allez, Marest, plonge. Ok, je crois que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Ok. Magikarp est pas plus enthousiasmé que ça. Oh, toi. Non. Et non, je le vois pas. Je ne le vois pas. Si c'est bon, peut-être pas. Non. Ce sera pas suffisant. Il reste 3 photos à prendre. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Nous verrons bien. Fin du parcours. Fin du parcours. Je vais peut-être allumer la lumière aussi, non? Je sais pas. C'est un peu grisonnant, je trouve. Là. Alors, Picasso. Alors, le 3 étoiles. 3 étoiles, on l'a. Il nous faut du 2 étoiles et du 1 étoile. Celle-là, elle est bien. Ouais. Ah, bien. Celle-là, elle est chouette, là. La 6. La 6, la 7. 6 ou 7. Ou 8.
7. 6 ou 7. 6 ou 7. Plutôt la 6. Ah, quoique, là on le voit bien. Ah, j'hésite beaucoup là. Mais genre beaucoup, beaucoup. Allez, on part sur ça là. Cap humain. Que des 1 étoile. Donc on va prendre celle où on le voit le mieux. C'est-à-dire pas beaucoup. Hein. Ça là. Charmillon. On a que du 1 étoile. Ah non, on a le 2 étoiles aussi. Mais le 2 étoiles, on l'a déjà. Donc on va partir sur le 1 étoile. Et le 1 étoile, qu'est-ce qui est mieux? Ça là, non. Bah. Une étoile dans une toile. Oh, c'est rigolo, ça, dis donc. Alors, la 3 est pas mal. 3, 4. 3 ou 4. Pour le moment, 3 ou 4. Ou 9. 3, 4, 9. Ouais, 10, elle est bien aussi. 3, 4, 9. Allez, go pour la 9. Magikarp. Magikarp, c'est que pour le score, de toute façon. Donc, Arbok. Arbok, on a que du 1 étoile. Marest. Marest, faut le plongeon. Quatre étoiles. Léopardus. Il y en a une qui était bien où il était allongé. Ça là. La fleur de Krista. Les ruines antiques. Allez, évaluation du prof. Petit score, petit score. Picasso. Ouais. Cap humain. Ouais. Ça là, ah. Bon score. Magikarp. Arbok. Marès, ça là. Ah, bah, mission accomplie. Au moins, c'est validé. Léopardus. Les ruines. Un peu d'histoire. Ce sont des ruines antiques découvertes à Calais. Quelle fantastique trouvaille. Allez, on passe au niveau 2 d'exploration. Pour la jungle. En plein jour. À propos, mes recherches ont bien avancé, j'ai fait une nouvelle découverte. Ah, je te parle de tout ça plus tard, je te laisse ranger les photos. Bon, on rentre à la base avec des nouvelles missions. Nous avons des nouvelles missions. Commencez afin à trouver vos repères sur cette nouvelle île, à ce que je vois, parfait. Il est maintenant temps de vous confier votre prochaine mission. Je voudrais que vous partiez en exploration nocturne pour photographier les fleurs. Pourquoi les fleurs? Vous avez sûrement dû voir des fleurs qui sortaient un peu de l'ordinaire. Oui, en effet. Dans tous les cas, elle devrait devenir luminescente une fois la nuit tombée. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire si on en trouve? Bah, prendre des photos. Voilà. Et enfin, l'Explore Reflex se chargera ensuite de les analyser. La jungle nocturne n'attend plus que vous.
Nouvelle mission. Les travailleurs de la jungle. On voit souvent Picasso voler près du nid de Bazoukan. Je me demande bien pourquoi. Alors, le Bazoukan, il est là. Il y a le Picasso, on le voit en plein milieu, en tout petit. Et on voit des œufs juste en dessous. Hein. Donc il va falloir prendre cette photo-là. Dans les hautes herbes. J'ai cru entendre des pleurs pas loin. Je me demande quel Pokémon ça peut être. Des pleurs ? Dans les hautes herbes. J'essaye de retenir cette photo. Pour la faire. Okay. Et celle-là, elle est faite. Ok. On va repartir en plein jour avant d'attaquer la jungle en pleine nuit. Ah, j'ai pas le choix du niveau pour le moment. D'accord. Allez. Les cap humains. Il y aura bien. Faut repérer le nid de Bazoukan que j'avais pas du tout repéré la première fois. Il y a du déplacement là-bas. Ah oui, en effet, il y a un gros déplacement, ouais. L'arbre qui est là-bas. Ou alors c'est moi qui l'avais pas vu. On monte ? Comment ça on monte ? Alors attendez, parce qu'il est où le nid de machin ? Quelle horreur. Il rampe et tout. Ah mon dieu, quelle horreur. J'aime pas ça. Ah, oh, pousse-toi. Charmillon. Arrête. J'aime vraiment pas ce Pokémon, je peux pas. Il y a un bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à le viser. Bon, tant pis. Ah, y'en a un autre là. Ah, mais il est pas beau en fait. Enfin, toutes les bestioles ne peuvent pas être jolies. Le nid, il est où par contre? Si vous voyez. Mon dieu, j'ai vu un vermillon. Là-bas, dans les hautes herbes, il y a quelque chose. Bonjour. Où est le nid du Bazoukan? Un nid de Bazoukan. Attends. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Crisacier par là, là. Yes! Je me suis fait voler ma pomme par quelque chose. Là! Alors j'espère que ça ira du coup, je suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr de moi. Ok, là il a les yeux ouverts. Peut-être des choses sur la dent ou sur la cascade. Il reste que cette photo à prendre. Hein. Magikarp, comme d'hab. Hein. Ah, plus qu'une, mince.
Vite, mets-toi en plein centre. Non! Bon, j'ai plus de photos. J'ai plus de photos à prendre, je suis bloqué. Bon, heureusement, on était sur la fin quand même. C'était sur la fin. Alors, croquine. On a du 3 étoiles. 1, 2 et 3 étoiles. 1, 2. Et les 3 étoiles, on l'a pas. Alors. Entre celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Plutôt celle-là. Charmillon. Non, 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 pas celle-là, non. Celle-là. Cap humain. Celle-là. Picasso. Ah, du 1 et du 4 étoiles. Ah oui, direction le 4, sans hésiter. Mais du coup j'ai raté le... Non c'est bon, le bazookan il y est, ça va. Ah, ce truc. Celui-là c'est le seul. Yann Mega. Celle-là. Marest. Là, Magikarp. On n'avait pas de Magikarp en 3. D'accord. Léopardu. Alors là, si vous le voyez. Ça là. Crisacier. Bazookan 1 et 3. Celle-là. Et enfin, la fleur des cristaux. Okay. Allez, direction. La vie du prof. Sans hésiter, elle est mieux, oui. Sans hésiter. Cap humain, pareil. Picasso, c'est bon. Émission accomplie au passage. Arbok. Axoloso, c'est la seule. Ah, bonne photo en fait, enfin bon score, je m'attendais pas à... Ok, je pensais à pire, ça va. Franchement, ça va. Combien pour le crisacier? Ok. C'est moyen, mais bon. Ça, elle est chouette. On dirait qu'il chante. Allez, le score, attention. 29 000. Type insecte. Cette photo est vraiment géniale. Ok, si t'as envie, ça te fait plaisir. On fait quoi? On rentre à la base. On va voir si c'est par rapport. Oui, il y a des missions qui ont. Enfin, une mission qui a été validée. Hop là. Du coup, autant rentrer à la base. Le temps du chargement. Yoroshiku ne.
Heureusement que je mets le planning des streams à l'avance, je reçois des mails et j'y réponde. Là. Je répondrai aux mails tout à l'heure. C'est pas... Alors, travailleur pour la jungle. Quelle idée d'avoir laissé la boîte mail ouverte aussi en plein stream. Enfin, bref. Ça c'est... Ça alors, Picasso transporte donc des fruits. Attends, Picasso transporte des fruits dans le nid. Ah, je croyais qu'il allait les piquer ou piquer les œufs, moi. Donc bon. Attendez. Il y a encore ça à faire, mais... J'ai envie de retourner à la jungle en plein jour quand même parce que... Bah, il manque pas grand chose au niveau suivant en fait. On va tester. On va tester. Les niveaux... Par contre... Le parc Anthos. Je suis pas sûr d'être au niveau 3 en vrai. Vraiment pas sûr. Faudra vérifier ça. Faudrait me concentrer sur la partie de la deuxième moitié du. Ah oui, en plein vol. Parfait. Ah, ça va être pas assez rapide. Ah, la sensibilité, j'ai oublié de la changer, c'est quoi ça? Ah tiens, il est là, lui. Il va sauter. Peut-être. Ah, ils sont deux. C'est vous, les troncs d'arbres. Voilà. Ensuite, Arbok. Oh, encore un Arbok. Ouais, bien ça, là. Oh! Bah, c'est la même tête que je viens de faire. Il y avait un moustique pas loin là. Ça, cette chose là. Ah, raté. Voilà, parfait. Ah non, parfait. Non, pas parfait, mais... Oh, j'ai raté au moment où il saute sur lui. Dommage. Il y a quelque chose là? Non. J'ai toujours pas repéré le lieu de la mission manquante. Hein. Il y a quelque chose là-dedans, là, ça c'est clair. Mais alors quoi? J'ai déjà mis en photo de toi, je pense. Là, il y a des fruits spécifiques, quand même. Il y aura le chrysacier en bas. Magikarp. La panthère. Chrysacier qui est... Je ne sais plus où. Bon ben j'ai perdu Chrysacier je crois. Non il est là. Ok on va dire que c'est bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr là. Réveille-toi la panthère. Non non. Non mais là pareil de toute façon j'ai mieux quand tu rugis. Non, c'est une fleur là-bas. Salut. On aurait dit mon chat, quoi. C'est pas là-dedans, là? Attendez.
Faut tendre l'oreille. C'est pas là-dedans où il y avait le truc de la mission? Si, hein. C'est par là. L'axolot, tu l'as en gros plan. C'est quoi ça? Non, c'est la fin du parcours. Non, il y a vraiment un truc qui rugit, apparemment. Ok, c'est lui, mais... C'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. Alors, Charmillon. Voilà. Cap humain. Celle-là, sans conviction. Croquine. On va évaluer celle-là en plein vol. Celle-là. Picasso. Celle-là. Léopardus. Ah, il y en a une à 3 étoiles, voilà. Du coup, ce sera celle-là. Arbok. Ah, ça va être un très mauvais score pour Arbok, mais c'est pas... Ah, c'est Axoloto, même. Ah, pas Axolot, bon, c'est pas grave. Du 2 et du 3 étoiles. Alors, on a... En 2, il n'y a que celle-là. Je vois pas trop la différence entre celle-là et celle-là. Et là, il y a un 3 étoiles, il y en a plusieurs. On va mettre la 2, c'est la seule qui est là. On verra pour la 3 étoiles après. Yann Mega. Bah, ça... Marest. Plutôt celle-là. Écrise d'acier. En 2 étoiles. Mais on le voit même pas. On le voit même pas. Ok. On le voit absolument pas, mais c'est pas grave. Je préfère celle de l'arbre, elle est plus jolie. Mais bon. Ah, ok. Oh! Quasiment le double. Sérieux? Ok. J'insiste, on le voit pas. En tant que crisacier, il se camoufle. Niveau 3. L'exploration de la zone avance très bien. Pense en vérifier que tu as bien exploré chaque recoin des autres parcours aussi. Ouais, c'est pas le cas. Un nouveau cadre. On rentre à la base. Je ne t'ai pas vu arriver. Il y a encore les trucs. Alors attends, on va revoir cette photo. Là, on est vraiment sur la fin du parcours, sur cet endroit-là. À gauche, il y a la cascade avec la base d'eau. Il y a quelque chose qui pleure ou qui gémit là-dedans. Pourtant, je n'ai lancé des pommes, mais voilà. On verra bien. Qu'est-ce que je fais? Je retourne au labo? Je pense pas.
Et on nous a demandé de le faire en nuit, de toute façon. Donc, mais bon. Alors, avant d'aller là-dedans, on jette un œil ici, vite fait. Ah, voilà, c'est X. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. D'accord. Du coup, on revient à Kaleis. 1, 2, 3. Et là, on n'a pas le choix. Allez, on y retourne, mais en niveau 3 pour jeter un œil. Et après, on ira faire le coin nuit pour avancer dans l'histoire quand même. Plus en hauteur. Genre, la photo s'est prise au dernier moment, quoi. Il doit y avoir quelque chose sur cette toile d'araignée quand même. Au-dessus là. Non ça change pas plus que ça en vrai. J'ai entendu un bruit bizarre. Ah tiens toi. Ah. Je sais pas si je l'ai eu comme je le voulais. Je ne sais pas. Pardon papillon, je passe. Ah, il sort la langue et tout. Ah. Ah. Qu'est-ce que... Un florizard? Belle bête. Alors. Voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est inquiétant. Ah non, c'est lui, ça va. Ouf, j'ai eu peur. Ah, peut-être falloir l'avoir en plein vol. Là, il y a Chris. Ah, notre florizard, Chris Acier. Ah, je peux pas la descendre plus, la caméra. Mais c'est vous les arbres. Ah flûte. Toi t'es toujours là, hein. C'est ta place. C'est le chat sur son arbre à chat quoi. Ah. Il dirait qu'il est possible de passer derrière cette cascade. Ben, j'aimerais bien en fait. Mais comment? C'est ça le truc, c'est comment? Notre florizard. Eh, j'arrive pas à l'avoir de face. Hein. Y a pas un Magikarp qui traîne là aussi. Euh...
Bon, j'ai pas encore capté les changements de chemin. Je sais pas si c'est lié à des niveaux. Il y a un truc là-bas. On l'a vu. Non, non, on l'a vu. Oh non, je l'ai complètement raté. Si, là-bas. Ah, oh, j'ai raté. Mais j'ai pas reconnu ce que c'était. Peut-être une des évolutions d'Evoli, la version plante. Il y a une version plante? Je sais plus. Je ne sais plus du tout. Allez, les capes humains. On a 7 photos au total. La 3. Allez, la 3. Picasso. Le Picasso, il faut en une étoile. Celle-là, elle est belle, mais bon, il va demander celle-là pour avoir le score, le professeur. Il n'y en a qu'une, Charmillon, il n'y en a qu'une, Arbok en deux, Axolotl en trois étoiles. Marest. Yanmega, il n'y en a qu'une. Florizarre. Pourquoi il est en deux étoiles là? Parce qu'on voit un œil. Bon, les une étoile, on peut les mitrailler. Ok, bon, on va partir sur la deux, comme ça on l'aura. Léopardu. Ah, dommage, j'ai raté la photo. Je pensais l'avoir eu un peu au vol. Bon, c'est pas grave. Chrysacier. Philali, voilà, c'est ça. Philali. Par contre, de loin, vraiment de loin. Magikarp. Et aucune donnée. Florizarre. Et la cascade. Ça se joue à pas grand-chose, hein. Oh, première page complète. Ah oui, en effet. Il y a quand même une amélioration à chaque fois. À 3 points près, quoi. Il est un peu plus centré, ouais. Bon, je te l'accorde. Pour l'instant, sur les Magikarp, j'ai pas réussi à faire mieux que ce qui a été fait à Anthos. Ok. 19 000. Je sais pas du tout. Ah, une nouvelle mission, tiens, on va rentrer à la base. Je sais pas du tout combien il y a de niveaux d'exploration max par zone et par jour. Enfin, jour, jour-nuit, par temps, je sais pas. J'ai pas du tout regardé ça. J'ai juste regardé, je crois qu'il y a 9 zones au total. Faut compter le jour-nuit et la version. Enfin, la troisième. Luminescent. Si j'en crois mes souvenirs, de tenir du succès, il y a niveau 10. Jusqu'au niveau 10 d'exploration. Ah ouais, là comme ça, tu vois, j'allais dire 5. Un peu au pif. Parce que je me dis quand même, faut farmer quoi. Et le jeu a pas.
Bon, il y a une certaine durée de vie d'histoire et après avec un completionniste, mais je me dis, tu mets pas 30 heures pour arriver au niveau 10 de chaque zone, chaque jour, chaque nuit, chaque machin. Mais niveau 10, en fait, ouais, c'est beaucoup, quoi. Alors, nouvelle mission. C'est Phil qui a pris cette photo quand il me l'a montré. Je dis qu'un photographe de renom aurait immortalisé cette scène dans la totalité. Les yeux rivés sur Florizarre. Donc en gros, il faut prendre la photo de Arbok qui fixe Florizarre. Bon, au moins on sait où c'est. Et ça, c'est dans le niveau 3. Dur. Dur, dur. Exploration, on va pas s'ennuyer. Il a une très très bonne durée de vie. Très bonne durée de vie, oui, c'est ça. Avant de le lancer, et avant même qu'il sorte, quand je l'avais précommandé, je m'étais dit, bon, on va partir sur à peu près Pokémon Snap de la version Nintendo 64, mais un peu plus, parce que quand même, sur la Nintendo Switch, on peut mettre plus de contenu. Et de mémoire, il y avait 6 ou 7 heures juste pour l'histoire dans la Pokémon Snap 64. Donc j'avais tablé entre 9 et 12 heures à peu près pour l'histoire et un peu plus sur ce Pokémon Snap actuel sur la Switch. Maintenant, si on va dans le complétionniste, donc en gros avoir toutes les photos, j'avais tablé sur 20 heures. Mais au final, je me dis que on va peut-être dépasser les 30 heures. Ça dépend. Je sais pas trop. Déjà, on va aller jusqu'au bout de l'histoire. Et on verra si on fera du bonus ou pas. Je sais pas du tout pour le moment. Je n'en sais absolument rien. Mais quand je me dis que j'ai passé hier que sur Anthos, là, aujourd'hui, on va être que sur la jungle. Il y a du boulot, quoi. Franchement, il y a du boulot. Photographe, c'est un vrai métier, c'est pas que de la passion. Ah là là, cette grosse blague. Quoi. Tout est un vrai métier, faut arrêter un peu. Tout est un vrai métier. Allez, on est en pleine nuit. On va bien ouvrir les yeux. Il fait nuit noire. Oui. C'est quoi ça? C'est des fruits, des fleurs, des... Oh, il a pas la même couleur. Non, il s'en fiche pas. Qu'est-ce que c'est? Des spododo. D'accord. Je crois qu'il y avait autre chose à côté, mais je suis pas sûr. On l'a déjà eu ça. Son occupant n'est pas très loin. Là, il y a quelque chose. Pile à contester. Hein. C'est très fluo quand même. Hein. Ah oui, il faut penser à prendre des fleurs qui brillent en photo là. C'est quoi ça? J'ai vu quelque chose. Elle brille pas ta fleur de cristal, professeur. Je suis déçu. C'est quoi ça? Il y a un truc sur la gauche, on l'a vu. Hein. Un coxyclac. Migalos. Bon, je vais pas te déranger, toi. Puis on tape beaucoup en photo. J'arrive pas à savoir où est son visage à lui. Tac. Tout petit ce Pokémon là. Ça ressemble à un champignon. On va vers les ruines, je crois. Je crois que nous allons vers les ruines. Là-bas, il y a... Marest.
Non, on va pas. Ok, plein de champignons partout. Oh, j'y corpe. Les ruines. Il y a un truc, non? Non, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc. Il y avait normalement quelque chose sur le côté là. Non. Ah, c'est beaucoup plus difficile là, en pleine nuit comme ça. Il n'y a pas énormément de luminosité. C'est un Pokémon ça? Non, c'est une fleur. Ça y est, je commence à voir des Pokémon sur des fleurs. C'est horrible. Non, viens là. Magikarp. Il y a une méga. Il y a quelque chose derrière la cascade, je crois, non? Non, c'est juste de l'ombre. Bon, d'accord, ok. Là, il y a un axolot. Non? Pas un axolot? Ah, voilà, c'est un axoloto. Je me disais aussi. Qu'est-ce qui se passe? Adar, en haut. Ah, c'est parce qu'elle brille. Faut la prendre en photo. Pardon, Marès. Bon, ça ira, je pense. Là, on est sur la fin. Dans l'eau, quelque chose. Toi. Faut vérifier la grotte. Tout à l'heure, il y avait. Comment il s'appelle? Filali. Rien? Oh, la pomme, elle a bugué. Non! Il y avait un truc à. Oh, flûte, bon, c'est pas grave. Pour parler complétion, plus tu auras de clichés d'un Pokémon sur un trajet, plus tu auras de poses différentes. Donc, plus d'étoiles dans les propositions de photos, je suppose. Et plus tu compléteras ton photodex plus rapidement. Ouais. Tu as totalement raison. Et ça, je m'en suis rendu compte. Relativement tard, et en tout cas avoir le réflexe de ça, je l'ai relativement tard. J'essaye de mitrailler, j'essaye de faire les efforts. J'espère que ça peut suffire, je suis pas sûr. Prendre celle-là, elle est pas pareille. Ah ben, ok, voilà, il y en a une. Léopardu. Spododo. Là, il y en a plein. C'est que du 1 étoile pour Spododo? Ah bon? Pourtant. Bon, la 6, c'est pas. J'aime bien la 6. 7, 8. 6, 7 ou 8. Il t'en reste plus de 40. Ouais, c'est vrai. Il y a de l'amélioration. Hier, c'était plus. Ouais, c'est vrai, tu as raison. 7 ou 8? 7 ou 8? Ah, j'hésite. Là, elles sont 4. Il ou elles sont 4, je ne sais pas. Et là, on dirait que ça danse. Je vais tenter la danse. Axoloto. Rien d'intéressant. À part celle-là, à la limite, mais c'est pas. Coxyclac. Partir sur celle-là. J'arrive pas à voir exactement où est son visage, hein, mais bon. Migalo. Celle-là. Magikarp, bah voilà. Fleur de cristal. Il n'y a en aucune donnée des photos ratées. Attendez, c'est quoi les onglets là-haut? Il y a des onglets là-haut. Ah! C'est peut-être pour naviguer plus facilement, peut-être. Mon dieu, ça y est, je découvre.
découvres les menus du jeu au bout de 4 heures de jeu, quelque chose comme ça. Jetons un œil aux photos que tu as prises. Oh. Ah d'accord. Allez, une page complète. Léopardu. C'est une dandala. Je sais pas du tout ce qu'il dit. Axoloto. Mouais. Toxiclac. C'est une dandala. Non, c'est pas ça qu'il dit. Migalo. Oh, je retourne au labo voir le photodex directement pour ces histoires de pages justement. Petit score je pense. 45 000 ! Ah ouais ! Ah, oh non ça va, 27 000, je m'attendais à beaucoup moins. D'accord. Je m'attendais à moins. Vous avez une nouvelle icône. Oh, elle est jolie. Elle est belle celle-là. À propos. Maintenant que nous avons davantage de données sur les fleurs de cristal, j'aurai une annonce à faire. Oh mon dieu, ça y est. Il va se présenter aux élections. Ah non. Tu verras, c'est une bonne nouvelle. Allez, j'ai une nouvelle mission au passage. Est-ce que je mettrai pas l'album à jour? Quoique c'est mon album perso. En vrai, ça sert à rien cette option-là. Bon, rentrer à la base. Il veut colorier un mandala. Attends, je... Non. J'aime bien les mandalas en plus. Il veut colorier un mandala. Ouais. C'est vrai qu'on dirait qu'il dit ça quand même. Excellent travail. Grâce à ces photos, nous avons pu récupérer énormément de données. Ce qui m'amène au sujet du jour, à savoir ceci. C'est l'orbe machin truc. Ah ouais, l'orbe machin truc, ouais, super. Sur lequel vous travailliez, c'est ça? Vous disiez qu'il servait à faire briller les Pokémon et les fleurs. Tout à fait, c'est pourquoi j'ai décidé d'appeler ça un orbe lumineux. C'est un orbe avec un truc lié à la Lumina. On va appeler ça un orbe Lumina. La science. Toutefois, les orbes de couleur bleue comme celui-ci ne peuvent être utilisés qu'à Anthos. Oh non, va falloir venir à Anthos. Mais pourquoi? Ma théorie est que chaque île de l'Antis émet une énergie qui lui est unique. Cette orbe n'est compatible qu'avec celle d'Anthos. Anthos, bon bref. En tout cas, c'est grâce aux données que vous avez récoltées que j'ai pu terminer de le mettre au point. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il lance ça comme ça, lui. Genre, il fait de la pétanque. N'importe quoi. Stylé. Waouh, c'est trop beau. Et ben, c'est donc à ça que ressemble la luminescence des lentilles. C'est le fameux phénomène lumina. C'est intéressant de constater qu'il affecte les Pokémon autant que les plantes. Mais parlons des Pokémon plantes. Avec ces orbes, vous pourrez rendre les fleurs et les Pokémon luminescents de manière temporaire. Lorsque vous les utilisez, observez attentivement tous les changements qu'ils provoquent sur les Pokémon et leur environnement. Est-ce qu'on peut voir ce Dantos? Bien évidemment! Super, retournons au parc naturel pour les tester. Génial. Je voulais rester dans la jungle, moi. Vous recevez un autocollant. Et un autre autocollant. Ouais. Et une icône de profil. Ouais. Et une icône de profil. Passionnant. Alors, mission. Attends. Ils ont rajouté des missions pour Anthos. Déplacement longue distance. J'ai vu Boule de Neuf se déplacer d'une manière incroyable, mais j'ai pas réussi à le prendre en photo. Mais c'est pas... On dirait qu'il vole, mais c'est pas un Pokémon vol, boule de nœud. Il vole pas, il a pas d'aile. Il
Mais là, on voit qu'il y a de la lumière sur lui. On retient. Les ailes, c'est surfait. Tu sais quoi? Il paraît que Dodrio s'est volé. Ah bon? D'accord. Mais pourquoi les guirlandes s'enfuient tout le temps? Il y a peut-être un moyen de les apprivoiser. Bah, pour l'instant, en leur balançant des pommes, ils se barrent. Hein. Donc peut-être avec l'orbe. Danse avec la reine. Les Apitrini sont très attachés à Apirène. Si tu ouvres l'œil, tu verras que ces Pokémon ne font pas que s'occuper du miel. Donc il y avait une reine quelque part. Sais-tu pour qui travaille les Apitrini? Bah, c'est marqué juste avant. Avec la Apirène. Par contre, je l'ai pas croisé. Ou alors je suis aveugle. Mais... Des chrysiaciers suspendus. Si tu observes attentivement les chrysaciers, tu remarques que parfois, ils sont suspendus à des fils. Comme dans la série. Mais là, pour l'instant, on l'a pas. Quel est ton pollen préféré? Je me demande si Charmillon se nourrit parfois du pollen de la fleur de Florizarre. Ah, on va pouvoir prendre un Charmillon sur un Florizarre. Il pleut d'Herbok. Ah non, c'est... Ah, j'ai entendu un gros bruit, du coup je me demandais, tu crois que ça arrive aux Arbok de tomber des arbres quand ils dorment? Oh mon dieu, j'irai plus dans la forêt comme avant. Ah, j'en ai des frissons. Opération rapprochement. Philaï s'approche jamais de nous. Peut-être qu'on pourrait l'amadouer avec une pomme tendre. C'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, on voit à peu près ce qu'il faut faire. Bah, direction l'exploration. Mais je voulais rester à la jungle et ils me disent de retourner à Anthos, quoi. Bon, bah, direction Anthos, écoutez. Mais de nuit ou de jour, du coup? Je sais pas. Attendez, là, il y a un truc que je me pose encore comme question que j'ai pas compris. Donc là, il y a un trajet, là, il y a un trajet, c'est clair, c'est net, c'est précis. Là, il y a un trajet, là, il y a un trajet, et là, il y a deux trajets. Mais j'ai pas compris comment prendre l'un ou l'autre. Est-ce que c'est que avec le niveau? Mais dans ce cas, si on peut aller au-delà du niveau 2, ce qui est clairement le cas, comment est-ce que j'arrive à tourner? Ça, j'ai pas encore compris. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, on va retourner au parc de jour, puis au parc de nuit de Anthos, voir ces histoires d'orbes lumineux. Mais au parc de nuit, il faut vraiment que je comprenne comment tourner le... Comment changer le trajet. Ça, je sais pas. Et je pense que la question va se poser aussi pour la jungle grand arbre, de toute façon. Non, Pichu, viens là! Ah, la sensibilité. Salut. Mais... Oh! Mais ils volent pas. J'ai peut-être pas tout compris ce qu'il fallait faire avec l'orbe, je crois. Ils sont où les canards? Ah! C'est pas le même motif, je crois. Il faut prendre ces papillons là avec des motifs différents. Je ne sais pas. Ah, toi.
sais pas trop ce que je fais là, je dois le reconnaître. Hein. Un peu trop haut peut-être. Oui, Dodrio, vol! Vol, Dodrio! Oui! Bah, il a sauté surtout. C'est pas volé ça, c'est sauté. Hein. Bon, plus notor. Voilà. Pas se tourner. Non. Magikarp. Il y avait un truc là-haut là, non? Non, peut-être. Non, je sais pas. Peut-être pas. Attends. Alors là, faut y a ces choses là. Non, restez là. Ah, vous aimez bien les orbes. Ah, c'est intéressant. Ah, elle fait coucou! Elle a fait coucou à la caméra. Mon dieu. Oh. L'orbe fait briller. Tu gagneras plus de points parce que c'est joli. Et qui dit plus de points, dit plus d'XP pour un niveau. Eh ouais. C'est quand même un peu du gâchis de balancer toutes ces orbes. Et puis les pommes aussi au passage, mais les pommes, bon... C'est pas grave, c'est un fruit, c'est dans la nature, ça se décompose bien. Enfin, ça me gêne pas de jeter une pomme dans la nature. Mais une orbe... Allez, celle-là. Normalement, les frisons, c'est fini, du coup. C'est... lequel qui avait le motif ? Il a les yeux pixelisés quand même. Oui, c'est un pour en deux. Dodrio. Dodrio qui est en train de sauter. J'ai juste envie de mettre ça là, juste pour savoir si ça compte pour la mission, quoi. On va mettre ça là pour la mission. Que notor. Que du 1. La 2, ce sera la 2. Et ça restera la 2. Chenipote. La 2, 2, 2, 3, la 3. Ah, celle-là, elle est. Ok, la 3. Florgue. L'orgue, ça sera celle-là ou celle-là. Celle-là est un peu plus cadrée. L'orgue qui fait coucou. Mais là, on voit mieux quand c'est coucou. On va remettre celle-là. Et Molga. Et Molga en 1, je l'avais pas eu. Ok. Lac Messigne. Bon, bah, c'est pas fifou. Hein. Mirondelle. Il dirait qu'il a deux antennes Wi-Fi là, quand même. Pichu.
sont toutes ratées. Quantum. Oh, elle est drôle celle-là. Boule de nœud. Rien d'intéressant. Magikarp. Celle-là. Guériland. Hop là. Celle-là. Fleur de cristal. Celle-là. Aucune donnée. Voilà. Plus. Ah, bon, tant pis. Wistimpo. Dodrio. Oh. Mais si du coup il vole. Et non, ben, c'était pas un Dodrio en plein vol. Tant pis. Tant pis, tant pis. Florg. Et franchement, cette photo de Florg qui fait coucou, elle est trop bien. Je vais la mettre dans le Pokémon Instagram. Lacmessigne. Hop là. Nirondelle. Rien qui change. Fichu. Rien qui change. Quentin. Ah. Ah, ça se joue à deux points près là aussi. Et la fleur. Là, on la voit mieux sur la gauche, mais là, on voit plus l'effet. On va garder ça là. Non, il me manque 692. C'est frustrant. Alors, je voulais garder des photos. Je voulais garder. C'est de là. Ah, attendez, c'était ça là. Ou ça là. Plutôt ça là. J'aime bien ça là. Et le coucou. Ça là, elle est chouette aussi. Je vais la garder. Et en coucou. Celle-là, j'aime bien. Je préfère ce coucou-là, quand même. Voilà. On rentre à la base. On recommence vite fait. Allez, on recommence vite fait. Il manque 692, quoi. C'est un peu... C'est frustrant de rester sur un score comme ça. Heureusement qu'il fallait passer vite dessus. Allez. Non, c'est pas ça. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Non, je les ai ratés, eux. Ah, flûte. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Alors là... Ah, il est là. Allez, vite. Non, il veut. Il est où? Oh, il a disparu. Dommage.
Il n'y avait pas un scarabrut là normalement? Ensuite, vous. Il y a le Dodrio là. Le Dodrio, il va s'envoler. Non? Vol, Dodrio, vol! Vas-y! Montre tes plumes! YOLO! Et non. Dodrio, et non, il s'est pas envolé. Tant pis. Oh! Il a fait un truc chelou avec son bras, lui. Il va se déplacer? Non, c'est Magikarp que je voulais. Bon. Ah, attention au nombre de photos. Ah! Je suis allé trop vite. Et là, il y avait un Wootoot. Non, c'est pas ici. C'est pas ici, le Wootoot. Il n'en reste que 7. Hein. Allez, la fleur. Ah! Oui! Ok. 2. Allez, madame, tournez-vous, s'il vous plaît. Bon, elle a l'air occupée, je sais pas. Et la petite dernière, oh, toi. Voilà. Il n'y a plus de photos. C'est quoi ça, là-haut? Ah, c'est encore un Guerriland, ça. GG le Emolga. Franchement, pas facile à voir, le Emolga. Pas facile. Que boule de nœud, du coup. Alors. Ça là. Prismillon. Dans tes seins là, mais sans conviction. Dodrio. Dodrio, il s'est pas envolé. Il a sauté. Mettre la 2. Non, c'était la 3 même. La 3 plutôt. Que Notor. Chenipot. Emolga. Ça là. Nirondelle. Quanton. Il y en a d'autres à côté. Et elles sont toutes ratées. Bon, d'accord, au moins ça c'est fait. Lac Messigne. Non, la 4. Pichu, il n'y en a qu'une. Boule de nœud. Bah, du coup, c'est celle-là. Celle-là, celle-là, ou celle-là. Mettre celle-là, la 3. La 4 plutôt, la 4. Elle est super drôle, celle-là. Allez, la 4. Magikarp. Juste l'œil, genre il espionne. Guerriland.
Oh non, Guerrilland, il y a... Oh, je suis déçu. J'y pensais. Soit celle-là, soit celle-là. Celle-là, il a l'air d'être en face de la caméra. Et Florg, bah, il n'y a que celle-là. Et aucune donnée. Bah, c'est quand Dodrio saute. Tant pis. Ah voilà, Small Guy est mieux. Et il m'en manque la 3. Une hirondelle. Quanton. L'acmé signe. Il tue. Boule de nœud. En 3. Magikarp. Magikarp, pour l'instant, pas facile. Ah, voilà, c'est la ligne. Florg. Ah, elle est mieux celle-là. Ah, d'accord, ok. Et le score pour passer au niveau 3 du parc jour. Petit score, hein. Petit score. L'exploration de cette zone avance très bien. Pense à vérifier que tu as bien exploré chaque recoin des autres parcours aussi. Donc, le parc jour va avoir un nouveau niveau. Collection de photos pro. 50 fois. Plus de 50 photos de plus de 4000. Ah oui, déjà. Nouveau cadre. Et une nouvelle mission. Ah. Retour à la base. Cache-cache dans les fleurs. Il y a un Pokémon qui joue à cache-cache. Dans les fleurs, on a croisé surtout Whistampo et Pichu dans les petits Pokémon qui pourraient se cacher là-dedans. Ou alors, c'est un autre Pokémon fleur tout petit. Arrêt sur image. Tu devrais observer de près le Whistampo du parc naturel parce qu'ils ont parfois des comportements curieux. On va essayer. Trois amis dans les fleurs. Tout à l'heure, j'ai vu Flambino rire aux éclats. J'aurais voulu que tu vois ça parce qu'il était trop mignon. Un Flambino en plein jour. Je n'ai pas encore croisé en plein jour, je crois. Avec une hypote, ça dépote. J'ai tourné la tête 2 secondes et une hirondelle avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bouffé l'oiseau. On va le retenir. Ça commence à faire beaucoup de missions là. Oh mon dieu, encore toutes les missions. J'ai entendu dire que Quanton savait voler. Ah bon? J'ai voulu surprendre une hirondelle quand il s'est envolé, mais je crois que je lui ai fait peur. Donc en gros, une hirondelle en plein vol. Ça peut-être ça devrait aller. Pêche au Magikarp. J'ai vu un Roucarnage foncer sur un Magikarp et l'attraper. Oh, c'est arrivé hier, mais j'ai pas pris en photo. Mais c'était tellement... rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? Sugoi Kawaides ou c'est quoi ce Pokémon? Shaymin. Ouais, je te donne une médaille, mais c'est vraiment pour parce qu'il est rigolo. Ouais. Retour à l'exploration. On va partir de nuit cette fois. Ah, Anthos. Bien que... J'ai cliqué, c'est ça? J'ai cliqué. Je me suis trompé. Je voulais passer de nuit. Je me suis trompé. Ah, il passe à droite maintenant.
Il va le cramer. Ok, bon, j'ai pris plein de photos de... Je pense que le Pichu, il y a quelque chose de nouveau, du coup. Oh là, pardon, excusez-moi. Non, il a pas envie. Oui? Non? Non. Oh, Flambino! Ah, mais attendez. Vol, Dodrio! Non, il veut pas voler. Il est où? Je rate des choses. Ah! Lui, il est nouveau. Bon, il a pas l'air de bouger. Ah! Yes, je l'ai eu. Vol! Vol, Quanton, vol! Ah non. Magikarp qui se fait plaisir. Dodrio, vol! Oui! Tiens. Ah! On a un changement de route là. Ah oui, en effet. Mais du coup, je. J'y vais là ou j'y vais pas? Comment j'ai fait? Je tourne? Oui, ça tourne. Ok, j'ai compris comment on tourne. Yes. Attends. Il reste que 18 photos. Faut faire attention. Évolue! Non. Il veut pas évoluer. Ah! C'est là qu'il y a le tronc du tout. Oh, les hirondelles ratées. Vol, hirondelle. Non. Oui! Oh, je l'ai raté. Je l'ai raté aussi. Flûte, flûte, flûte. Lui. Vol. Non, il veut pas. Oh, raté, il a pris son envol. Salut. Il y a un truc là. C'est Pichu. Mais... Oui! Je l'ai eu! Flambino. Allez. Yes. Ah, raté. Purée. Une photo, vite, vite. Et j'ai pas eu le temps, je pensais que j'aurais pas pu prendre le truc. Utiliser le radar près des Pokémon leur font faire des choses aussi. C'est vrai, j'y pense pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, tu vas photographier un nouveau Pokémon, go. Pichu, alors, on a du 3 et du 4 étoiles. Ah! Elles sont pas ouf les photos hein. Vraiment là on voit l'éclair, la 11 à la limite, la 11, mais celles là elles sont chouettes aussi. Je vais tenter une 4 plutôt.
soit Saint-Là, Saint-Là. Saint-Là, il saute. Wistampo, Wistampo en 3. Plutôt Saint-Là, même si elle est un peu pixelisée. Frison. On a 8. Saint-Là. Flambino. Bah la 7 du coup c'est là où il est plus en gros plan. Kenotor. Celle-là. Dodrio. Les deux sont mauvaises de toute façon. Emolga. Celle-là. Chenipote. Scarino. Scarino, il y en a plein. La 1. La 1 ou la 3? Plutôt la 1. Lac-Messigne. Celle-là. Quanton. Celle-là. Magikarp. Voilà, on peut pas faire plus gros plan que Magikarp. Hein. Hout Hout. Celle-là. Boule de nœud. Celle-là. Nirondelle. Bah ça là. La fleur de Krista. Sauf que à la base c'est pas la fleur que je voulais prendre en photo, mais bon c'est pas grave. Allez go. Yes, une mission. Cool. Ah, elle est moins bien. Ah bon? Kenotor. Dodrio. Dodrio qui ne vole toujours pas. Et Molga. Yes. Chenipot. Ah bon? Tu préfères celle-là? Ah d'accord. Scarino, c'est la seule et unique pour le moment. Joli score. Lac-Messigne. Quanton. Ah, avec une mission accomplie et une page complète. Ah oui, c'est ça qu'il fallait faire. On va y passer. Oh! Une meilleure photo de Magikarp, ça faisait longtemps. Hout Hout. Boule de nœud. Nirondelle. Ouais, elle est mieux, c'est vrai. Et la fleur. Pour Chenipot, c'était sûrement dû au fait qu'il était proche des herbes, donc en train de manger. Ah, peut-être. Plus 33 000. Ah ouais, je me suis fait plaisir, en fait, là. J'ai dit qu'il fallait le faire de nuit. Hein. Ça après. Alors celle-là c'est fait. Arrêt sur image. Ça c'est ce que je viens de tenter de faire, mais c'est bon, pas fifou. Mais c'est parce que j'avais pas ciblé Flambino. Bon, on sait par, on sait où, on sait comment la faire. Celle-là, c'est fait. As-tu vu que les... Il faut prendre un Kenotor une fois que le barrage est terminé et qu'il se... Ok, d'accord. Je vais essayer de le retenir. Je voulais faire un truc avec le rap... Le... Oui. Voir le photodex et voir les pages terminées. Voir les pages terminées du photodex. Waouh, il n'y a pas de notif.
Bah, c'est juste les pages sont terminées en fait, il n'y a pas de récompense spécifique. Et celle-là, elle est chouette quand même. Ah, flûte. Tac. Tac. Nigalos. Philali. C'est quoi son bruit à lui? Ok. Ah et toi, ton bruit, c'est quoi? Ouais, ça, c'est un chat, quoi. Florizard. Et toi, c'est quoi ton bruit? Passons vite dessus, passons vite dessus. Voilà, allez, ça c'est fait. Toi pareil, page terminée. Les aciers. Ah, c'est lui! C'est lui que j'ai raté tout à l'heure, d'accord. C'est quoi ton bruit? Ok, mais j'ai pas envie de t'énerver. Amino. Terra, Meganium, Evoli. Je pense qu'on est bon. Ah bah c'était le dernier justement, tant mieux. Ok, collection, c'est quoi la collection? C'est la fleur et les ruines, c'est ça? Voilà. Ok. Et bon, la carte, on verra plus tard, c'est juste la position des Pokémon spécifiquement sur... Enfin, très précisément sur la carte, quoi. Bon, on va repartir à Anthos, mais de nuit cette fois. Et en plus, normalement, on passe le niveau d'exploration de Anthos. Ah oui, refais-le. Ah, purée. Carnage. Je sais pas si j'avais réussi à l'avoir mieux que ça au carnage. Non! Oh, je l'ai... Purée, c'était une mission qu'il fallait faire en plus. Ok. Pro carnage, ça a l'air de bon. Attends. Il y a des cornèbres ici. Ouais. Ils ont pas l'air... Ils ont pas l'air plus intéressés que ça, les cornèbres. Je m'y prends. Allez! Je crois que je l'ai raté. J'aurais voulu l'avoir en plein saut, je crois que je l'ai raté.
Ah. Qu'est-ce que... Ah, j'ai eu peur. C'est juste des Torterra, ça va, c'est que des Torterra. Dodrio, oui, vol. Vol, Dodrio, tu peux le faire. Ouais, bah, c'était pas concluant. Hein. Tu vas sauter? Saute. Et ouais. Ouais. Torterra. Il y a le Houtout, il est là-bas. Non! Oui, ici, de profil. De nouveau. Non, il veut pas. Ah, il est tombé. Ok. Ça, c'est les Magikarp, je les trouve géniaux. Quoi. Oh oui! Plus que 6. Ah, j'ai trop mitraillé là. Et j'ai raté le Hoot-Hoot, je crois. Non, il est là. Ok. Plus que 5. Si je peux avoir une photo de, des derniers. Ah, oui, il y a un Hoot-Hoot là. Mince, c'est vrai. Il va y avoir des choses à la fin là. Plus que 4. Vol, Dodrio, vol! Non, il a pas envie. Alors, il me faut la reine des abeilles. Mais alors, ça, c'est quoi la reine des abeilles? Non! Trop. Une reine des abeilles. Ok. Il y avait une fleur juste à côté. Bon. La reine des abeilles, je vois pas trop ce que ça peut être. Enfin, que je vois pas quelle forme ça peut avoir, ni quoi que ce soit. Venator, Flambino. Flambino en 4. Là, Pichu, plutôt celle-là, Frison, c'est pas un Frison ça, donc 1, 2 ou 3, Roucarnage, il y en a 2, 3, 5, 6. Ah, oh, c'était mal cadré. Bon, bah, la 2 du coup. Boule de nœud. La Pitrini. Cornèbre. Chenipan, il n'y en a qu'une. Scarabrut. En 3, j'ai le choix. Torterra. La 2. Ou la 7. La 7. Pointon. Et pas bien. Lacmessigne. Celle-là. Dodrio. Ah! En 4. Tu voles pas là, Dodrio. Hein. Là non plus. Hein. On va partir sur celle-là. Magikarp. Voilà. Nymphalie. Nymphalie en 2 étoiles qu'il me faut. Celle-là. Wistimpo. Il n'y en a qu'une. Hoot-Hoot. Plutôt celle-là. Et aucune donnée.
Dommage. Ce sera évident quand tu la verras, je pense qu'elle va pop sur les niveaux supérieurs. D'accord. Donc elle a une forme bien distincte, la reine des abeilles. Que nos torts. Flambino. Ah ben page complète du Flambino, parfait. Et tu... Prison. Ah ouais. Au carnage il est pas simple à avoir aussi. Hein. Ah, ça se joue à pas grand chose. Cornèbre. Oh, je préfère l'autre, mais bon, écoute. Professeur, c'est toi le professeur. Hein. Temps. Scarab brut, Torterra. Ah, mieux ça là. Bon. Pointon. Ouais, si, c'est quand même. Le Dodrio avec une page complète. Ah, et donc là, il essaye de voler. Ouais, c'est plus, il plane qu'autre chose. Hein. Magikarpe. Et du coup, nouveau niveau du parc Anthos de nuit. Niveau max. Ah, ils n'ont pas tous le même niveau d'exploration. Ok. Je suis impressionné par ton incroyable travail. Je ne pensais pas que mes recherches avanceraient autant et c'est entièrement grâce à toi. Merci infiniment. De rien. Vous avez atteint le niveau d'exploration maximum dans un parcours. Grand photographe en 2000. J'ai pris 1000 photos déjà ? Ça va vite. On rentre à la base et on va faire un point sur ces niveaux. Ah bah je suis sur le cul. Bah, moi aussi du coup. Mais ça doit pas être les pareil pour tous. Ou alors j'ai raté des infos. Je sais pas. Ah, les missions. Ouais, ils planent, ils volent pas. On dirait qu'ils volent. Ah, voilà, ils volent pas. Mon dieu, elle faisait peur, la madame. Est-ce qu'on va au labo ? Il n'y a pas d'intérêt pour le moment de retourner au labo. Ça doit être sur le premier parc, à voir, ouais. Anthos, on vérifie. Anthos. Là, je suis à 3. Le parc jour, je suis à 3, mais voilà, c'est pas fini. Niveau 3 n'est pas terminé. Là, je suis... Il n'y avait que 2 niveaux au parc de nuit, et j'ai rien d'autre. Les sources lumina, n'en parlons pas. J'ai pas pris de photos des fleurs dans la nuit, c'est ça? J'ai pas pris de photos des fleurs en pleine nuit. Mince. Mince, mince, mince. J'ai un gros doute en fait. J'ai un gros doute. Non, j'ai pas pris de... Bon, ben, il va falloir le refaire de nuit, tant pis. Il n'y a pas trop d'intérêt par rapport au niveau d'exploration. Mais, ok, concentration. Photo des fleurs de nuit avec la lumière lumina. Allez, Pichu, je te vois. Mmh.
plateau des fleurs de nuit. Au carnage, oui. On va dire que c'est bon. Hein. Alors toi. Toi, te prendre en photo. Allez. Tu te redéplaces ou pas? Non. Bon, on va dire que non. Il est là-haut encore. Ok. Fleur, fleur, fleur. Concentrant sur fleur. Il y avait pas lui là-haut là? Ah non, c'est lui. Ah là, il y a une fleur. Balancer la fleur. Voilà. Comme ça, c'est bon, c'est fait. Tac. Non, on les aura de plus proches un peu plus tard. Ce n'est point grave. Dodrio. Ouais, voilà, ils volent pas, ils sautent, quoi. Oh, j'ai vu. Je crois que j'ai vu un flambino sauter, mais je suis pas sûr. Pas sûr de moi. Non. Reviens là. Il a sauté? Non, il se cache. Ouais. Oot oot, il est par là. Voilà. 12. Salut. Ok. Ouais, il n'y a plus que 10 photos. Alors là, faut faire attention. Là, on balance tout ce qu'on a sur les fleurs. Je sais pas si... Ok. Alors la reine. Oh! Bonjour madame, mes hommages. Et là, il y a normalement un machin qui dort, voilà. Il reste deux, bois pour deux. Voilà. Teste le radar pour l'effrayer peut-être. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Pourtant le jeu, il est pas compliqué, hein. Il y a trois boutons, mais j'y ai pas pensé. Ça va venir, hein. Que nos torts. Flambino. Voilà. Fichu. Ça va. Au carnage. On dirait qu'il fait du foot avec la tête. Prison, boule de nœud. Il y a la quête hein, derrière lui. Hein. Il s'est déplacé vite. Est-ce qu'on prendrait ça en mode c'est pour la mission? Ouais,
dernière, c'est pas plus bon, c'est pour la mission, on verra bien. Le meilleur niveau est au max. La reine. La 1. La 3 ou la 4. La 4, la 1, la 4. La 4. Ouais, la 4. Non, non, on va pas partir sans la photo, attends. Chenipan. Oh. Bon, tant pis. Cornèbre. Ah, du cornèbre en 2. On voit rien. Cornèbre en 2, on voit que dalle, mais bon, écoutez. On va partir sur ça. Apitrini, il n'y en a qu'une. Scarabrut. Celle-là. Torterra. Celle-là. Lac Messigne. Ouais. Dodrio. Là, il saute, mais on voit mal. Là, on le voit mieux. Quanton. Nymphali. Wistampo. Outout. Fleur de Crista. Ok. Donc là, au moins, on a envoyé les fleurs de Crista. Au moins, on y a pensé. On va pouvoir revenir à la jungle, je pense, dans pas très longtemps. Oh. Normal. Et quoi, tiens là aussi. Mission accomplie. Cool. Sérieux? Ah mais parce que ça brille. Il me manque un Torterra en deux quand même. Attends. De jour ou de nuit, plutôt de nuit du coup. Allez, on rentre à la base. On va voir ce qu'ils nous disent. Et on va retourner à la jungle. Que là je crois que je me suis un peu paumé dans l'histoire. Il fallait prendre les photos des fleurs de Crista. Après. On va jeter un œil au laboratoire, non? Il n'y a personne qui me parle. Dans le laboratoire, bon bah exploration. C'est dommage qu'ils mettent pas les objectifs d'histoire là-dessus, quoi. Parce que ça, c'est les missions, mais c'est les missions du facultatif, de la cosmétique. Là, on est au niveau max. Là, il reste encore pas mal à faire. Ah, maintenant, il y a une deuxième route là maintenant. L'histoire du barrage. On va retourner à la jungle. On n'a même pas fini le niveau 2 hein, de la jungle. Jungle de nuit, du coup. Allez, jungle de nuit. Pas grand chose encore une fois. Oh, ils sont jaunes. Non, je t'ai raté. Mince. Oh.
Ah purée, je l'ai raté aussi. Il courait. Ils sont derrière. Oh, raté. Il y avait quelque chose par là, non? Non. Là. Raté. Raté, raté. Oh oui, oui, c'est un grand oui. Magnifique. Vraiment pas grand chose. Oui, non, en arrière, vite, 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 vite. Je suis pas sûr de les avoir eu. On va les avoir après. Là, c'est les ruines. Y a pas un truc en bas là? Éclairez-nous. Non. Si! C'est quoi? Ah, c'est juste un magique. Magikar, Magikar. Ça bouge là. Ah mais c'est juste de la texture nulle. Oh là là, sérieux Pokémon, Game Freak, sérieux. Allez, on s'approche de la grotte. Mais il doit y avoir quelque chose dans les cascades. Ça, c'est clair. Je l'ai eu. Je crois que c'est un peu plus au plafond. J'ai un doute, mais je crois que je l'ai eu. Alors, Yann Mega en 2 étoiles. La 12 plutôt. Quoi, c'est un Yann Mega qu'il y avait dans la grotte, sérieux? Mais non. Bon d'accord, bon ben on part sur la 11 alors. Non, la 12. La 12. Migalos en 3 étoiles. Celle-là. Spododo en 2. Celle-là.
Attends, quoi, il y en avait 14? Mais il n'y en a que 3 en 2. Attendez, il y a Saint-Là en 2. Bah on va rester sur Saint-Là, ouais. Coxyclac. Léopardus. Oh, dommage. Je pensais que ça allait faire des étoiles en plus. Bon, c'est pas grave. Marest. Bazoukan, je l'ai eu. Je le vois même pas sur la photo. Et Magikarp. C'est pas... ça fait pas beaucoup de Pokémon, hein. Bah, on le voit là, quand même. Score, hein. Il me manque 490. Sérieux. Allez, on y retourne. Bah oui, oui, bien sûr, on recommence, bien sûr. Oh, ah, ah, ah. Il est où? Il est là. Bon, ça va, il dort. C'est le chat, ça. C'est Léopardus. Un Arbok shiny? Il y a des shiny dans Pokémon Snap? Non. Ou alors c'est l'effet de la nuit et de la phosphorescence et tout ça? Je me souviens, je sais pas. Je sais pas du tout s'il y a des shiny en vrai. Oh, Migalos, j'arrive pas à l'avoir correctement. Hein. Ça non plus. Bon, toi, je t'ai déjà eu 57 000 fois. Réveille-toi. Il y a pas envie. Pas ouf la photo, hein. Excusez-moi monsieur, mais... Ah oui, presque. Alors, on va essayer de la voir comme ça. Allez. Ok, on va dire que c'est bon. Les champignons, on va les avoir après, c'est pas trop le problème. Tac. Ça me semble pas improbable, les shiny. D'accord. J'ai fait trop vite. C'est pas grave. Oui, saute!
Non, il n'y a pas envie. Excusez-moi. J'ai des messages sur le téléphone. Du coup, ça vibre. Il y a quoi derrière là? Il y a quelque chose derrière là. C'est les toucans? Je sais pas, mais il y a quelque chose derrière là. Salut! Et la fleur, c'est bon. Magikarp, c'est juste pour les points. Les champignons, on les a eus. Et là, faut aller dans la grotte. Purée, il met mes points d'interrogation à chaque fois. Ah, flûte. Ça va pas être énorme. Hein. Alors, un Yann Mega. La 4. Ouais, la 4. Arbok. La 9. La 9. Pour l'instant, c'est la 9. Je me sens pas bien à chaque fois que je vois ce machin. La 9. Léopardus. La 11. Non, la 10. Ah, quoi? Ah, la 10. Non, la 10. Quoique. Non, la 10. Spododo. Cinq, en même temps c'est la seule photo du mieux. Migalos, ah on a du 2 étoiles. J'y reste la 6. Coxyclac. Croquine. Non, il y avait de la croquine. Derrière c'était de la croquine, d'accord. Mais on peut pas l'envoyer. Marest. Magikarp. On le voit pas vraiment, fleur de cristal. Il n'y a aucune donnée. Là, il y a beaucoup trop de photos. Ratées. Allez. C'est quand même une étoile? Ah bon? La mission, la mission? Ça n'a pas validé la mission. Me dites pas qu'il fallait que je balance des pommes pour qu'il tombe. Oh. Mauvaise nouvelle, il faut qu'il tombe. Purée. Bon, au moins on sait où est-ce qu'il est. Cher professeur, radar ou pomme? Ah! Radar! Hmm. Cent 106 000 pour le niveau 2? Pff.
Mes recherches ont bien avancé, j'ai fait une nouvelle découverte. Je te parlerai de tout ça. Ok, donc en direction le labo. Allez, de la nouvelle mission. On rentre à la base. Professeur Miroir, bien, on s'y met. Oh. Deux nouvelles îles. Bonne nouvelle, nous pouvons désormais explorer de nouvelles îles. J'ai identifié deux nouveaux sites de téléportation pour le Neo One. C'est vrai, où ça? Le premier est situé sur cette île allongée et le second en plein milieu de l'océan. Aptos, désert ça brûlant, Copadia, plage pastel. Du feu et de l'eau, quoi. Dans l'océan, je crois que le capitaine Victor en parle dans ses récits de voyage. Il dit même qu'il n'a jamais pu l'atteindre. Ça va être génial. On verra. Je te laisse décider de l'ordre dans lequel tu préfères explorer ces zones, je compte sur toi. Ça sera feu puis eau, je pense. Hein. Mais pas pour aujourd'hui. Alors, de nouvelles missions. Quand il repose ses ailes. Yann Mega est toujours en train de virevolter dans tous les sens. J'aimerais bien voir ce que cela donne lorsqu'il se repose. Dur. Le Pokémon du grand arbre. Il y a un Pokémon qui s'est envolé quand le grand arbre s'est mis à briller. À briller. Je veux savoir qui c'est. Ah mais c'est les boucans machin là, je sais plus comment ça s'appelle. J'imagine qu'Oxyclac prend ses repas en volant. Mais peut-être qu'il peut aussi se poser au sol pour manger. D'accord. D'accord. Alors, les recherches avancent bien. En fait, j'ai une avance... Et tout le monde a des annonces à faire dans ce jeu. Je voulais en parler au professeur plus tôt, mais ça m'était sorti de la tête. C'est à propos d'une nouvelle fonctionnalité que je lui avais demandé d'ajouter à l'Export Flex. Quelle est donc cette fonctionnalité? C'est un lecteur de mélodie. Il permet à l'Export Flex de jouer de la musique. La musique peut provoquer des changements dans le comportement des Pokémon observés. Donc, je suis sûr que il vous sera utile pour vos explorations. Ça a l'air trop stylé. Tu l'as déjà dit, ça, Phil. Rita, comme tu as déjà lu son mode d'emploi, est-ce que je peux te charger de leur expliquer comment ça marche? Pas de problème. Fonctionne d'ailleurs pas mal. Pour émettre une mélodie, il faut appuyer sur R. Pour l'arrêter, il suffit d'appuyer de nouveau sur R. Et la mélodie jouée peut avoir plein d'effets différents. Par exemple, elle peut réveiller des Pokémon endormis, ou en faire danser d'autres. Je dis ça, mais je l'ai encore jamais utilisé. Allons l'essayer. Nouvelle mission. Non, c'est pas ça là. Concours de coups de tête. J'ai vu des frisons commencer à se bagarrer. D'accord. Où est le Pokémon? D'après le professeur, un Pokémon se cache dans les environs. Alors, si c'est pas le Hoot-Hoot... Peut-être le Scarabrut qu'il y a par là? Il y a un Pokémon avec qui Scarabrut cherche souvent la bagarre. Ah, ben c'est... Mince. L'autre Scarabrut, j'ai oublié son nom, là. As-tu déjà vu des lacs Messines prendre leur envol? C'est un spectacle magnifique. Ben, j'en ai déjà vu qui... Ah, mais prendre l'envol, pas en volant. Ok. Prennent l'envol. J'ai vu un Yann Mega prendre ses ailes à son cou. Il s'est passé un truc ici. Peut-être les Migalos qui ont essayé d'attraper le Yann Mega.
Je me demande si ce pauvre dodo se nourrit parfois d'autre chose que des nutriments qu'il trouve sur les arbres. Peut-être mange-t-il des pommes tendres. Ah, mais ça, on l'a déjà fait, ça. Toujours plus de missions, hein. J'ai vu Léopardu se dresser sur ses pattes arrière, mais j'ai pas pu le prendre en photo. Ah. Et enfin... J'ai vu Axolotl et Croquin s'amuser comme des petits fous. Axolotl et Croquin. D'accord. Il y a un Pokémon que j'ai vu qu'une seule fois d'ailleurs. L'espèce d'ours là, j'ai oublié son nom. Le Yeti. Ah, il y a encore un truc dans l'émission. Attendez, parce qu'il y avait encore la notification. Non. Toujours pas. Ah si, là, ici en bas à droite. Les péripéties de Croquin. Celui qui... On fait le concours de celui qui prend la meilleure photo de Croquin. Ah d'accord. Retournons dans la jungle. Nouvelle zone disponible. Alors juste pour la description, désert sabrulant, un désert immense avec une oasis où les Pokémon peuvent se reposer. Aptos. Mais est-ce que ça comprend que ça? Parce que là quand même il y a pas mal de feu là. Peut-être dans les niveaux en suivant. Et Copadia, une magnifique plage de sable au ton pastel où règne la tranquillité et notamment les épreuves de Koh-Lanta bien sûr, tout à fait. N'importe quoi. C'est un paresseux, il s'appelle Mona Flemmite. Ah, c'est un paresseux, pardon. Mais oui, Flemmite, Flemme. Oh. C'est un paresseux. Alors là, on est à 106 000 du niveau suivant. Et là, on est à 41 000. Niveau 3. Et là, par contre, il faut attaquer. Il faut aller... Mais je gagne pas beaucoup de points sur ce truc. Faut y retourner, du coup. Pour faire le plus de points. C'est un paresseux. Oh, je l'ai vu! Purée, il était devant nous, là. Le Philali, je sais pas quoi, là. Philali, oui. Bon, alors. Bon, il y a une méga qui est posée, quand même. Mais il n'y a plus Arbok. Raté. Ah non, Arbok c'était tout à au niveau 1, c'est ça. Ils sont où les Pokémon? Spododo, point d'interrogation. C'est votre ami Galos ça. Point d'interrogation. Spododo. Oh! C'est pas Spododo que je veux, c'est le Philali. Attendez, parce qu'il y avait quelque chose derrière là. Tout à l'heure. Ah, flûte. Allez! Bon, j'ai raté quelque chose, je pense. Qu'est-ce que c'est? Mon dieu, ça me perturbe. Il n'y avait pas les noms. Nulle la musique en plus. Mange. C'est pour toi, c'est cadeau. C'est la maison qui offre. Non? D'accord, ça mange pas les pommes comme ça. Bon, il a pas envie. Peut-être qu'il a pas faim la nuit, peut-être. Là. C'est des points d'interrogation quand même. Yeah.
Bazookan. Comment il dort, lui? Il n'y a rien dans la rivière, là? Magikarp, Magikarp, on devrait l'avoir ailleurs. Ah bah tiens. Je les avais pas bien correctement tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Là. On dirait qu'il est possible de passer derrière la cascade. Bah, j'aimerais bien en fait. Peut-être au prochain niveau. Là! Non! Trop rapide celui-là. Mange. Purée, trop rapide. C'est quoi ça? Ah, ça m'arrête. On dirait qu'il sourit. Derrière, je sais pas ce que c'était, mais il y avait quelque chose derrière. Lagron, c'est quoi ça, des lagrons? Ok, c'est des lagrons. Alors, le Spododo, on a que des 13 en 1. Elle est rigolote, ça, là. C'est des philalies, là. Enfin, bon. J'ai pas les bonnes photos de lui, là. Prendre ça. Yann Mega. Ça, là. Magikarp. C'est un là parce qu'il sourit. Philali, Philali en 2. Ouais, pas convaincu. Marest, Lagron. C'est un là. Miguel. Non, Léopardus d'abord. Soit celle-là. Soit celle-là. On va plutôt mettre celle-là. S'il y a d'autres Pokémon à côté. Migalos. Pas convaincu. Bazookan. Oh, elle est nulle. Il n'y a que des photos nulles. Prendre celle-là. Picasso. Axoloto. Ah, il était sous l'eau. Elles sont toutes nulles de toute façon. Et fleurs de cristal. Okay.
Ah, mission, cool. Sérieusement? Tu préfères ce Magikarp? Ok. Un lagron. Ah. Mingalos. C'est pas simple à avoir ça aussi, les Mingalos, hein. Bazookan. 5000. Wow. Et la fleur. Plutôt ça là. Et il y a des nouvelles missions encore et toujours. Alors. Quand il repose ses ailes, ça là c'est fait. Il ne bouge pas du tout, ce lagron, peut-être qu'il se sent pas bien. D'accord, capturer le lagron qui est là-dedans. Ok. Alors on va rester à Kaelis, donc la jungle grand arbre. On va rester sur ça et on repassera au niveau 1 peut-être après pour faire tomber l'Arbok, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc au prochain passage après celui-là. Bon alors Philaï. Raté. Il y a des croquines. Et qu'il a dit au passage. C'est nul comme musique. Là. Voilà, comme ça au moins je l'aurai une bonne fois pour toutes. Un bruit. Quel est ce bruit? Ah, il est assis. Non, fallait t'asseoir, assis-toi. Mange, fais quelque chose, mais... Bon, tant pis, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Croquine, croquine, Philaï. Et Mingalos. Et il y a le machin dans l'eau, normalement, pas loin. Ok. Là. On peut lui balancer des pommes. Oui. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Sors. Oui, non. Ah, il a pas envie. Il a vraiment pas envie, ce Pokémon, de sortir. Je sais pas. Plus que 17. Ah ouais, je suis allé de... Oui, d'accord, ok. Va falloir se calmer là.
Il y a les bazookas aussi à prendre en photo un peu mieux. Crise d'acier. Des crises d'acier de nuit. Je prends. Je les vois pas, mais c'est pas grave. Ah, ils sont là. Ouais, fallait les voir. Hein. Il est possible de suivre le chemin. Mais oui, c'est ce que je veux faire. Je veux aller là. Je vais y aller justement. Ah, j'ai pris une fleur de cristal sans le vouloir. Ça y est, je change de. Ah. Ah, voilà, on va pouvoir prendre des trucs un peu mieux. Au passage. On va essayer de l'avoir un peu mieux celui-là. Ok. Trois photos. C'est compliqué là. Trois photos. Allez, fin du parcours. Croquine, rien d'intéressant. Peut-être ça là, la 2. 6, 7. Allez, la 7. Spo dodo. 4 à 6 ou la 7, 6 ou 7, 6 ou 7. Allez, la 6. Philali en 3. C'est la seule. Nigalos. La 11 du coup. Coxyclac. La 2. Lagron. Ah mais Lagron, il y a celle de la fin. Ah si c'est bon, ça il y a... Ouais, la 15. Mais là ça c'est celle de la mission. Ouais, on va mettre la 15. Axoloto. Bazookan. Isocier. Et une fleur. Mais ça, c'était pas volontaire. Ah oui, d'accord. 5000.
Le photodex se remplit à vue d'œil. Là j'y fais 21 000, ça va être dur de refaire 21 000. Hein. On va pas recommencer parce que je voudrais repartir au niveau 1 pour faire tomber le Harbok en fait. Allez, niveau 1. Ah, mais attendez, je viens de penser un truc. Là, en retournant au niveau 1, est-ce que j'aurais quand même de l'XP pour up le niveau 2? À vérifier. Ce serait combo de faire ça, quand même. Alors. Oh mon dieu, des croquines en gros plan. Tant mieux. Warbok il est loin là, il est pas loin là. Tombe. 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 Oui. Je crois que je l'ai eu. Il y a le toile d'araignée ici. Ça, Migalos. Ok. Pas des spots que je veux, c'est des Migalos, hein, mais c'est pas grave. Non, ils s'en fichent. Je sais pas. Pas convaincu là non plus. Et les chrysacées normalement. Ah non, pas de chrysacées aujourd'hui. D'accord. Yeah.
Non. Je me demandais si Yann Mega pouvait attraper le Chrysacier et le le Magikarp, mais en fait non. Non. Ok. C'est passé l'exploration. Ah, j'en ai pris 10 là des Pokémon. Peut-être que ça peut bien avancer. Il y a 5. Bien sur la 8 pour changer un peu. Migalos. Rien d'exceptionnel. Hein. Coxyclac, rien d'exceptionnel non plus. Marestre. Léopardu. Yanmega. Loto. Allez, le prof, à toi de jouer. Le Arbok. Page complète du Arbok, c'est fait. Avec la mission validée, du coup. Ça prend quand même le score, cool. Ah, mais beaucoup moindre par contre. Ok. 61 000. Voyons les missions, enfin la mission validée du coup. Mais il n'y en avait qu'une. Parfait. Bah on fait jette un œil au labo, photodex et compagnie. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, faudrait qu'il facilite la chose vraiment pour enlever toutes ces motifs. Hein.
On va jeter un œil à la carte sur tous les passages. Au parc de jour, nous avons maintenant beaucoup plus de choses. Le parc de nuit. Ah, oh oui, parc de nuit, encore plus. Et là, du coup... Et oui. Ah, ils mettent les ruines. D'accord, je savais pas. Allez, on jette un œil à ici. Ah ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Il faut que je prenne vraiment les fleurs en photo, en fait, pour savoir, ou les détecter du moins pour avoir leur emplacement. D'accord. Ok, ok. Pour l'instant, on n'a pas la source luminescente de la jungle grand arbre. Hein. C'est pas fait. C'est pas fait. Et je pense que ça va être fait à l'accès au niveau 3 de la nuit, peut-être. Je suis pas sûr de moi. Mais il n'y a pas accès encore. Il faudra y penser. La collection, c'est bon. On va jeter un œil à Pokémon Instagram. Si on peut y accéder, ce serait bien. Ah oui, il y a tous les succès, les titres. Là, il tombe la prochaine fois. Et enfin, la fiche perso. Avec toutes les icônes. Voilà, normalement. Oh, mais non, mais enlevez-moi les... Ça, c'est embêtant. Voilà, oui, je le vois, les belles icônes. Elle fait peur, là, la Rita. 6h50 de jeu. Ouais, si, c'est à peu près ça, en vrai, avec l'écran d'attente. C'est vrai. Et enfin, le mode en ligne. Pour terminer. Normalement, j'ai up au classement. Même si je me fiche complètement du classement, en vrai. Mais... On va voir. Pas mal. Et dans ma langue, donc en français... 4617. Non. Non, 4619, je suis là, pardon. Alors, on va changer nos photos mises en ligne. 54. 1. 1. 1. 80. 80. Alors on va enlever lui. Et on va mettre le coucou de la madame, c'est celui-là. Voilà. Après, on a quoi en photo bien? On va mettre... Ah, c'est celui-là, celle-là, je voulais mettre. Ouais. On va changer la description. Il n'y a que 28 caractères.
Pêche, chasse. On va mettre chasse. Magikarp. Ah! 6 caractères. Ça marchera pas quoi. Du coup, on va retirer celui-là. Et on va mettre à la place. Il fait un peu hippie quand même là le frison, je trouve. On va retirer ça là. On va voir dans l'album ce qu'on peut mettre aussi à la place ici. Photodex. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Voyons voir. Il y a celle-là, elle est chouette. On va mettre celle-là. Alors. J'aime vraiment bien cette photo. Ok. On verra bien. J'ai reçu 241 pommes et mon score total du photodex est à 462 678. Ok. C'est ainsi que je vous laisse. C'était super chouette. Vraiment, je prends plaisir à ce jeu. Il est pas simple. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il y ait quand même cette difficulté, même si le gameplay est simpliste et que j'ai du mal à le prendre en main alors qu'il est vraiment simpliste. Et... Mais il est pas simple, il y a quand même pas mal d'objectifs à se créer ou très pointilleux. Donc pour l'instant, j'en suis ravi. Donc suite de New Pokémon Snap Adventure, ça sera jeudi après-midi ici sur twitch.tv/ivasound. Et sinon, je vous retrouve ce soir pour du Scribble, parce qu'on sait que comme les mardis soirs, c'est mardi va sound, avec les copains et les copines. Et sinon, demain, fin d'après-midi, 17h et 18h, Pac-Man 99 et Tetris 99, en petite session comme la semaine dernière, histoire de changer un peu de type de jeu et d'être un peu plus en mode tryhard. Voilà, passez une bonne fin d'après-midi, prenez soin de vous.
abonnez-vous, rejoignez les réseaux sociaux, rejoignez Discord, on y est assez actif. Et je vous dis à ce soir. Cordialement, bisous.